أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم. Donc je reprends la troisième partie du cours de Sidi Cheikh Mohamed Fawzi Al-Kirkari قدس الله سره, qui était destiné aux faqirat, aux sœurs, le 13 octobre. Donc dans un premier temps, il a commencé à parler en fait de la wasita, et comment ceci en fait cause la perdition en fait du disciple dans la voie d'Allah, et en donnant exemple de Bani Israël qui ont adoré le ijl, le veau, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Sayyidina Moussa, leur cheikh, il était absent. Et en fait, à cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. Tuez vous-même, certes ceci est un khir pour vous, et en fait l'acte que vous avez commis en prenant en adorant autre chose qu'Allah n'a pas de fidya en fait. Et pareil, lorsque tu prends la wasita, une wasita autre que ton cheikh en fait dans la voie, il faut savoir que tu n'as pas de fidya en fait à faire. Tu peux pas faire une fidya lorsque tu touches à la sacralité d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam, en prenant autrui ou bien autre chose shir, au lieu de prendre ton shir qui t'a donné la lumière et qui t'a fait sortir de des ténèbres vers la lumière. Il faut savoir que les Banu Israël, en fait, ils ont toujours adoré ce ijl parce qu'ils avaient cela dans le cœur. Ce n'est pas récent, ou bien ce n'est pas juste par l'absence de Sayyidina Moussa alayhi salam, mais ceci était déjà dans leur cœur et il est apparu en fait à l'absence du cheikh. Et c'est ça l'importance en fait du compagnonnage et le fait de rester en fait proche du cheikh, parce que une fois que le cheikh part, ou bien le mourid s'éloigne de son cheikh, c'est là où il commence à commettre des péchés, que ce soit des petits ou les grands, ou bien les mubiqat, jusqu'à ce qu'il y en a même qui perdent carrément en fait le lien avec le cheikh. Et lorsque Sayyidina Moussa il a cassé en fait les tablettes, kassara al-alwah, il faut savoir que ce n'est pas lui qui les a cassées, mais il les a cassées par leurs mains, parce que lui il ne peut pas les casser après avoir été tamponné dans son cœur 40 jours et 40 nuits en fait lors de la rencontre avec son Seigneur. Sayyidina Abu Huraira, il a parlé de deux sciences qu'il a pris auprès du prophète alayhi salatu wassalam, un apparent, je vous ai certes transmis, et un autre caché, que si je vous le transmets, mon cou sera coupé de moi. Pourquoi il était certes caché? Parce que il n'y a pas des personnes en fait aptes à le porter. C'est comme les secrets, le cheikh il donne le secret à celui qu'on est apte, et après il faut savoir en fait vivre avec, et comment, et savoir le magnifier, et savoir en fait devenir même le secret. Ahlan lahu, yani, c'est-à-dire il doit le valoriser, il doit le magnifier en fait, pour représenter cette ahliya, pour être digne de ce dépôt en fait divin. Et c'est pour ça que c'était juste en fait transmis à Sayyidina Abu Huraira alayhi salatu wassalam, radiallahu anhu, parce que c'était lui qui en était digne en fait de le porter dans son cœur. Dans le cheminement, il faut pas s'attacher aux images, et surtout les images qui t'éloignent en fait de la présence. Les images qui t'éloignent de la présence, il faut vraiment les chasser,
qui ne te rappelle pas Dieu, qui ne te rappelle pas le Cher, il faut les chasser et ne garder que l'image en fait de celui qui te rappelle cette hadra. Il faut bien sûr être muni de la véracité, aussi as-sidq dans la voie, si tu prétends chercher la purification et le fana. Le Cher, il faut savoir que le Cher, il ne t'empêche pas de voyager, mais par rapport à l'amour en fait que tu as envers lui, il faut demander à ce sujet ton cœur. Istafti qalbak. Et ici, dans cette partie, le Cher parle de l'ajr, en fait, de la récompense de celui qui fait un travail lillah, en fait, dans la voie de Dieu. Il faut savoir que il ne faut pas chercher une récompense quelconque, en fait, que tu demandes à Sidi Cher, que ça soit apparent ou caché. Par exemple, quand tu sers Sidi Cher dans la voie, il ne faut pas chercher par cela à avoir une récompense ou bien une contrepartie. La contrepartie de cela, de toute façon, c'est la foi et la lumière et la purification de Al-Bayt. Mais Sidi Cher, il dit, certes, tu ne le prétends pas par ta parole, mais j'ai peur que cela soit caché en fait dans ton cœur, que tu demandes en fait quelque chose par cela. Et c'est là on voit on voit en fait l'enseignement de Sayyidina al-Khidr avec Sayyidina Moussa alayhi salam dans la reconstruction de l'jidar du mur des roulamins de Sayyidina al-Hassan et Sayyidina al-Hussein, qui lui a dit on ne peut pas en fait prendre une récompense par rapport à ce travail. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de récompense quand tu travailles un travail pour Dieu. Voilà. Il faut savoir, les enfants qui sont mentionnés dans ce verset, Al-Ghulamayn, dans la reconstruction du mur, il s'agit en fait de Sayyidina Al-Hassan et Sayyidina Al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Il dit, il faut travailler en fait cet amour vis-à-vis de la itra, comment le servir et comment en fait oui, il faut le travailler jusqu'à ce que ça devienne en fait comme Sayyidina Salman al-Farisi radiallahu anhu. Dans l'histoire, elle est vraiment magnifique en fait. Il était esclave, il était revendu esclave chez le juif, il a laissé ses biens, son argent, jusqu'à tout cela en fait c'est pour rencontrer et pour donner la bay'a en fait à Sayyidina Rasoul alayhi salatu wassalam. Et par cela, par ce sacrifice, ce grand sacrifice en fait qu'il a fait, il a eu la mahabba de Sayyidina Rasoul alayhi salatu wassalam. Il est devenu certes parmi les Ahlul Bayt Salman al-Farisi min Ahli Bayti. Il a réalisé ça en fait par cet amour et par le sacrifice. Et quand on parle en fait de l'amour vis-à-vis de Sayyidina Rasoul alayhi salatu wassalam, on évoque souvent l'histoire de Sayyidina Omar radiallahu anhu. Quand il est venu lui annoncer en fait son amour, il lui a dit je t'aime en fait, sauf pas plus que ma nefs en fait. Et jusqu'à ce qu'il est reparti et il a réalisé qu'il aime le prophète alayhi salam plus que sa nafs. Et là, c'est là où il lui a dit « Al-ana ya Omar, certes maintenant, tu l'as réalisé cet amour. » Et du coup, c'est pareil en fait par rapport à la itra. Il faut que tu l'aimes plus que tes biens, tes enfants et plus que ton âme. Et Rasulullah, il dit, je vous ai laissé sur deux choses que si vous vous êtes attachés, vous ne serez guère en fait dans la perdition, c'est Kitabullah wa itratu Ahli Bayti. Et il faut savoir que cette mahabba en fait
c'est comme l'exemple en fait de la mahabba vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam, hubbu ahli bayti bi hubbi, l'amour de ma famille est certes un amour vis-à-vis de moi. En fait, tu les aimes par le même amour que tu aimes le prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, c'est déjà, il parle des gens de l'Kissa, les gens de la Hadra. Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatima Zahra, alayhi salatu wassalam, Sayyidina Ali, karamallahu wajha, et Sayyidina Al-Hassan ou Sayyidina Al-Hussein, qui étaient en fait dans le Kissa, dans la Hadra avec Sayyidina Rasul, alayhi salatu wassalam. Et c'est les seuls en fait qui ont atteint ce maqam en fait de la Khassa. Ils étaient dans dans la maison de Sayyidatuna Umm Salama, radiallahu anhu, l'épouse du prophète, alayhi salam, et elle n'était pas en fait concernée par ce maqam, subhanallah. Il faut savoir que Sayyidina Ali, karamallahu wajhahu, il représente le bas, et Sayyidatuna Fatima Zahra, elle représente le nun. Et quand ils se sont mariés, ils ont engendré le ya. Et ceci, en fait, il fut hérité dans leur descendance bénie. Et Sayyidina Ali karamallahu wajhahu est le point. Et lorsque en fait tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah, c'est comme si tu as évoqué Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, qui est la porte de la Hadra et qui est la porte par laquelle on accède au prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il dit Nouruka min nouri wa nouri min nouruk, ta lumière est certes de ma lumière. Et Sayyidina Al-Hassan et Sayyidina Al-Hussein, en fait, ils ont hérité de cette khilafa, de ce point, ainsi que leur descendance, et maintenant jusqu'à Sidi Cheikh Qadha, sallallahu alayhi wa sallam, par l'apport de Sayyidina Al-Hassan, radiallahu anhu. Voilà, et vers la fin, Sidi Cheikh, il a parlé de Sayyidina Moussa, alayhi salam, quand il est parti à la rencontre de son Seigneur, en fait, pendant les 40 nuits. Il était, en fait, sous un arbre. Et cet arbre, il a représenté la porte de la wilaya pour lui. Et ce fut un arbre exceptionnel. Ce fut un arbre de sidrate, mais ce n'est pas comme les autres sidrates. C'est un arbre tellement exceptionnel que même lorsqu'ils ont essayé de le replanter, ils n'ont pas pu avoir tout simplement le même fruit spirituel de cet arbre. Il était vraiment. Et c'est le même arbre où le prophète a eu la bay'a, et que par la suite, Sayyidina Omar, il l'a ôté de peur qu'il ne soit pas adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Moussa, il a magnifié cet endroit et cet arbre par en fait par la force spirituelle qui s'y trouve. Et ceci en fait est facile pour les gens, mais que dire que dire de magnifier l'héritier, que de magnifier une personne qui te donne cette porte en fait de la wilaya. Tu trouves les gens, ils sont capables en fait de magnifier un arbre ou bien un endroit ou n'importe, mais quand il s'agit en fait d'un être humain, que pour eux c'est un être humain normal, là ça pose vraiment problème. Et Allah, le prophète sallam, il dit la sacralité du croyant est certes plus magnifiée que la sacralité de la Kaaba, mais toi tu sacralises certes la Kaaba et tu fais du mal, tu oses faire du mal aux croyants. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid, wassalamu alaikum.